Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french. Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot. Eh bien, l'arbitre de foot australien, Kate Jasiewicz, sera l'une des premières femmes autorisées à arbitrer la Coupe d'Asie masculine cette année. La décision d'autoriser les femmes à arbitrer le tournoi a été prise en septembre de l'année dernière. En 2022, la Française Stéphanie Frappard est devenue la première femme à arbitrer un match lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Kate Jasiewicz ne pense pas que le fait d'être une femme joue un rôle dans sa profession. On l'écoute. Depending, different levels have different, I guess, professionalism and that type of thing. But ultimately, at my general experience is that they speak to you like you're a referee, and they don't really see you as a female. And if I respect them, I generally get respect back. So I think it's more of a how I treat them, and the decisions that I make. They'll respect that in terms of like, they know when I've made a mistake and I know when I've made a mistake. On passe au foot en Angleterre avec la FA Cup de demi-finale aller avec la victoire de Liverpool contre Fulham 2-1. Middlesbrough, un club de deuxième division, a battu Chelsea 1-0. Et mardi, Liverpool s'est imposé contre Arsenal 2-0. On passe à la Supercoupe d'Espagne avec le Real de Madrid qui s'est imposé contre l'Atlético de Madrid 5-3 après prolongation. Et le Français Antoine Griezmann est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid hier. 174 buts. Les précisions de Sofia Namazian pour RFI. Amaga Grima, que buena jugada Grima, chuta Grima, gol. Golazo de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour battre un record. Un crochet du gauche, dévastateur pour feinter Antonio Rudiger et Luka Modric, puis une frappe rasante, le tout en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. 174 buts pour Grisou, idole des fans de l'Atlético qui le voit comme le meilleur joueur au monde. Mais tout n'a pas été si rose pour le champion du monde érigé en star, rabaissé au rang de traître. Puis réhabilité. À son arrivée chez les Colchoneros en 2014, Griezmann n'est encore qu'un espoir qui n'attendait qu'un tremplin pour exploser. C'est ce qu'il s'est passé. Une victoire en Ligue Europa en 2018, une finale de Ligue des Champions, certes perdue contre le Real en 2016. Griezmann est au sommet de son art jusqu'à cette décision finalement peu judicieuse, quitter le cocon pour rêver plus grand en 2019 au FC Barcelone. Alors, lorsque deux ans plus tard, l'attaquant décide de revenir chez lui, à Madrid, les supporters le renie d'abord, puis par la force des choses se range derrière ce joueur à la générosité énorme sur un terrain. Résultat, après 368 rencontres disputées et 174 buts marqués, c'est tout en haut que le nom d'Antoine Griezmann est inscrit dans l'histoire du club. En Italie, les quarts de finale de la Coupe avec l'Atalanta Bergame qui s'est imposé contre l'AC Milan 2-1. La Lazio Rome a battu l'AS Rome 1-0 et Fiorentina et Bologne ont fait match nul 0-0. Chez les dames, il y a eu des matchs en France avec le 6-0 du Paris Saint-Germain contre les Lilloises mardi. Et hier, il y avait trois matchs. Paris, FC, s'est imposé contre Lyon 1-0. Dijon s'est incliné face à Fleury 5-0. Guingamp a été battu par Montpellier 1-0 et deux matchs ont été reportés, Saint-Étienne contre Reims et Bordeaux contre le Havre. Et comme vous le savez, c'est la CAN, le coup d'envoi, c'est le 13 janvier, la Côte d'Ivoire et le pays hôte, les équipes accueillies en fanfare à leur arrivée en Côte d'Ivoire. Reportage Binta Diane pour RFI. Polo rouge et petite valise à la main, les joueurs du Mozambique s'engouffrent lentement dans un bus. Ils sont accueillis par une pluie fine et l'éléphant Akwaba, la mascotte de la CAN. Aux percussions, de jeunes musiciens exécutent des musiques de l'Est de la Côte d'Ivoire. Une manière selon eux de souhaiter la bienvenue. Tan Kofi, Yannick Désiré. C'est le peuple brun qui accueille les invités qui viennent. On a exécuté la danse de la biche royale, le kété et toutes ces danses en principe exprime la grandeur d'un être chez nous.
Les majorettes de la compagnie L'Étoile Filante prennent le relais. Les danseuses veulent voir des stars du foot et ambiancer l'aéroport. Lorraine, une danseuse. Au moins, nous ne sommes pas trop football, mais on connaît quelques joueurs. C'est Sergio Mané, avec le crush des Ivoiriens à l'heure. Oh oui, avec chose qu'on appelle ça Mohamed Salah. Et puis Hakimi aussi. On va danser, sourire. On les ambiance et tout. Voilà. Discrètement, une poignée de jeunes volontaires recrutés par le COCAN rangent les valises des joueurs dans le bus. Samuel Toby. Là, il faut accueillir les joueurs, il faut les aider. On n'attend rien en retour, on veut juste servir. C'est cet accueil chaleureux là qu'on peut donner pour qu'ils repartent avec un souvenir. Même accueil réservé quelques heures plus tard au Pharaon, les Lions de la Teranga, quant à eux, ont atterri à Boaké dans le centre du pays. Donc le coup d'envoi, c'est samedi le 13 janvier. Des influenceurs engagés par le comité local d'organisation assurent la promotion du tournoi. Reportage François Ferkataji pour RFI. J'aime trop celle-là. Maillot orange des éléphants sur les épaules, les influenceurs, qui préfèrent le terme de créateurs de contenu, enchaînent les prises d'images en musique et dans la bonne humeur dans le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Jean-Marcel Yesso a été chargé de recruter une vingtaine de petites vedettes du numérique pour faire la promotion de la compétition. Pour sa sélection, le critère numéro un n'a pas été le nombre d'abonnés, jure-t-il. Dans l'idée, c'était de prendre des personnes qui représentent au mieux l'image de la Côte d'Ivoire, par le talent, par le contenu qu'ils créent sur les réseaux et puis par la diversité de ce qu'ils pouvaient apporter aussi au digital et comment nous aussi pour permettre de bien faire la promotion de la compétition. Franck Edja, spécialiste tourisme, la goûteuse, experte en gastronomie africaine, ou encore Stéphie, férue de mode. Pour la mère du digital en Côte d'Ivoire, Edith Broubleu, les organisateurs de grands événements ne peuvent plus se passer de ces stars du numérique. Je me rappelle à l'époque, jusqu'en 2012, lorsque tu proposais tes services pour communiquer pour des marques, elles te disaient « mais non, on n'a pas besoin de vous, Internet c'est gratuit, pourquoi j'aurais besoin de vous communiquer ?» C'est de l'amusement. Et aujourd'hui, ce sont les institutions et les entreprises qui vont vers les créateurs de contenu parce qu'ils veulent toucher leur communauté, ils veulent toucher leur audience. Selon l'instagrammeuse sénégalaise Hamza Loli, les contenus sur la CAN remportent toujours un franc succès. Tout le monde est intéressé, ça génère beaucoup plus de commentaires, de likes et les contenus sont propulsés du coup. Le COCAN ne donne pas d'informations sur le budget réservé à l'emploi de ses ambassadeurs du numérique. La vidéo c'est simple, tu te mets là-bas, tu appuies. Et le Sénégal, les Sénégalais s'apprêtent à défendre leur titre, comme nous l'explique Victor Missistrano pour RFI. Remporté il y a 2 ans au Cameroun, et les Lions sont prêts à rugir. Hier, ils ont participé à la traditionnelle remise du drapeau avant de s'envoler vers la Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, le président Macky Sall, qui a souhaité bonne chance aux joueurs et au staff, il a aussi félicité la star de l'équipe, Sadio Mané, qui vient de se marier dans une ambiance très détendue. Cette cérémonie de remise du drapeau national, c'est bon pour le moral et cela motive l'ailier des Lions, Crépin Diatta. C'est très important, c'est l'image du pays, c'est l'image du Sénégal, donc c'est très important d'être là, d'entendre le message, et je pense que le message est passé. Maintenant c'est à nous d'aller sur le terrain et essayer de mettre toutes ces paroles-là en pratique pour pouvoir faire honneur au peuple sénégalais. On est conscient de ça, ça va être une poule relevée parce qu'on a pratiquement des derbies à jouer. Maintenant, une Coupe d'Afrique, c'est jamais facile. Il va falloir faire des sacrifices encore plus et essayer de donner le maximum de soi et le maximum qu'il faut. Ça ne va pas être facile, mais voilà, on est le Sénégal aussi. Crépin Diatta avec Babacar Fall, la sélection sénégalaise débutera sa CAN lundi par un derby, donc face à la Gambie. Un mot de handball pour dire que l'Euro 2024 en Allemagne a bien démarré hier, le 10 janvier, et va se poursuivre jusqu'au 28 janvier. Et les Français ont battu la Macédoine du Nord hier, 39-29. On va écouter la réaction de Luka Karabatic, qui est le capitaine des Bleus sur cette édition de l'Euro 2024. Il est sur RFI. Chaque compétition a sa vérité, chaque groupe a son histoire. Là, je pense que on a un groupe qui a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de joueurs qui ont cette envie de gagner, de décrocher des médailles et des titres. Donc j'espère qu'en ce sens-là, on va pouvoir faire quelque chose de bien et arriver avec l'envie et la motivation nécessaires, parce que c'est aussi ça. Et je pense qu'à nous de faire le bon travail mental pour pouvoir bien séparer chaque chose et pouvoir vraiment se jeter à fond dans cet Euro. Mais je pense qu'on a un groupe qui a faim et des joueurs qui ont soif de titre, donc je pense que ça
ça peut être un plus pour nous. Un mot du Dakar, la cinquième étape, c'est Nasser Al-Attiyah qui l'emporte. C'est son premier succès en 2024. Le Saoudien Yaziz Al-Raiji reste leader de la catégorie auto. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.